Saint-Malo Agglomération dispose de nombreux atouts pour les technologies de l'information et de la communication. Ce domaine est aujourd'hui un moteur de compétitivité et un facteur de croissance économique. Alors, Synergies se positionne comme un centre de compétences et de R&D spécialisé sur les technologies Microsoft. C'est-à-dire qu'on accompagne aujourd'hui les entreprises sur la mise en place de solutions informatiques avec différentes approches. Une approche d'abord de conseil où on va essayer de décrypter en fait pour les chefs d'entreprise ce qu'est le numérique, ce que ça peut leur apporter. Dans un second temps, on peut également accompagner sur la mise en œuvre des produits. Donc on va travailler sur des solutions de communication, de collaboration, sur des activités de structuration, des activités de coordination des équipes. Donc de la mise en place qui va intégrer autant les aspects fonctionnels, donc tout ce qui est conduite du changement, formation, que sur des aspects beaucoup plus techniques, donc de l'hébergement, de l'infrastructure informatique, du développement à façon. Et la dernière activité, une activité plus orientée innovation, où on va accompagner des créateurs de solutions numériques, donc des éditeurs de logiciels, des startups, dans la conception de leurs produits ou services innovants, et on va apporter notre expertise pour les accompagner. Saint-Malo est une ville d'histoire et de culture. Certaines entreprises l'ont bien compris et proposent de nouveaux moyens technologiques dans ce domaine. 4 personnes avoir monté une entreprise dont le but est de proposer principalement des jeux géolocalisés et des événements en extérieur à partir donc d'une application pour se repérer et proposer des énigmes qui sur le principe de la chasse au trésor. Voilà, et en plus de ça, nous réalisons des contenus culturels. Donc on propose du contenu et on permet aussi à ceux qui ont du contenu de pouvoir le diffuser sur notre application simplement. Et gratuitement. Et gratuitement pour l'utilisateur. Et aussi pour les professionnels. L'idée, c'est quand même de créer un flux autour de la culture. Donc la culture, c'est je consulte des documents, je découvre l'histoire et en même temps, je veux réagir à ce que j'ai présenté ou à ce que j'ai découvert. Et donc je vais créer, moi, utilisateur, mon propre circuit à partir de ce que j'ai vu et proposer et ce circuit, je vais le proposer à mes amis ou à des proches ou à des gens comme ça. Donc il y a ce dialogue entre le créateur d'un événement ou d'un contenu culturel et moi qui vais en même temps réagir et le proposer à d'autres. Donc c'est ce dialogue qu'on voulait mettre en place sur ce projet, qui n'est pas seulement une application, mais aussi complété par un site web où les gens vont se rencontrer, discuter d'événements culturels d'une région. Donc on remplit les 3 cases qui sont le social, le local et le mobile. Solomo. Le tourisme a aussi une part très importante dans l'agglomération de Saint-Malo. Et l'arrivée d'entreprises de communication et d'information permet aux professionnels de trouver des réponses locales aux nouvelles demandes de leurs clients. Polemalo est donc une agence de communication conversationnelle dont l'objectif étant d'accompagner les clients à prendre la parole sur les médias sociaux, à bien comprendre les objectifs et définir donc une véritable stratégie. Alors bah effectivement, nous, quand on a choisi de travailler sur les nouvelles technologies, notamment sur les réseaux sociaux, il a fallu trouver les gens en extérieur. C'est une méthode de communication un petit peu différente de ce qu'on avait l'habitude de faire. Donc on a choisi de poser des questions à des professionnels et à des gens qui étaient vraiment de la partie. Ce qu'on a apporté au terme marin, donc à Laurence et l'ensemble de ses équipes, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, on est parti d'un constat que n'importe qui était capable de créer une page Facebook ou un compte Twitter. Nous, on a réfléchi en amont avec Laurence donc, sur le fait de savoir ce qu'on allait apporter, ce qu'on allait dire à la communauté, qui on allait intéresser comme public, bien évidemment, et comment on pouvait relayer donc, une opération, que ce soit sur une communauté telle que celle de Facebook, la relayer, bien évidemment, auprès de l'établissement. C'est-à-dire faire donc venir des gens de la communauté Facebook donc sur l'établissement des termes marins. On se rend bien compte que ce site de médias est nécessaire. Ce n'est pas quelque chose qui directement va apporter du chiffre d'affaires. Mais par contre, si on n'y est pas, c'est important aussi d'être vraiment présent sur ces réseaux-là. Parce que moi, je vois bien, hein, ça fait un an qu'on travaille dessus. C'est très interactif. Et c'est vraiment des clients à nous ou des gens qui ont envie de venir, qui posent des questions, qui s'intéressent, qui en parlent à leurs amis. Et c'est aussi un moyen de se faire connaître en sachant que le bouche à oreille, c'est quand même notre meilleure publicité. Le pays de Saint-Malo dispose aussi d'un cadre de vie exceptionnel pour attirer des entreprises sur les nouvelles technologies et de jeunes cadres supérieurs avec de nombreuses activités.
À l'origine, donc, c'était un choix personnel de venir s'installer dans une ville qui nous plaisait beaucoup. On a la chance d'être dans un milieu où les clients, les partenaires sont dans le monde entier. Donc on peut travailler de n'importe où, donc on peut s'installer où on veut. Saint-Malo est une ville donc, qui nous plaisait d'un point de vue cadre de vie. Et le fait qu'il y ait une liaison directe TGV, qu'on puisse être à 9h15 à Montparnasse, c'est effectivement très important pour nous. Alors, dans notre domaine, on est dans les jeux vidéo, on est vraiment à la frontière entre la technologie et le créatif, dans ce qu'on appelle les industries créatives. Et donc, dans le jeu vidéo, on est là pour raconter des histoires, faire passer des émotions. Et quand on dit qu'on est à Saint-Malo, il y a déjà une histoire. Donc, on est connu à l'international. Saint-Malo est une ville qui est connue à l'international. L'aspect technologie, il y en a pas mal, surtout en Bretagne, il y a beaucoup de technologies. En revanche, ce qui est important maintenant, c'est l'aspect créatif. C'est là où je pense c'est un domaine, un secteur où il y aura beaucoup de création d'emplois, beaucoup de développement économique. Donc le mariage technologie et créatif est important et le point fort de Saint-Malo, c'est justement qu'il y a déjà tout un apport créatif, culturel, etc. qui est très important et sur lequel on peut capitaliser. Donc je pense que Saint-Malo a vraiment une carte à jouer sur ce domaine et si la Technopole peut être le vecteur de cette carte, ça serait très bien. Un collectif d'acteurs des TIC de l'agglomération de Saint-Malo a été créé afin de structurer la filière des TIC appliquée à la culture, au tourisme, aux loisirs et au bien-être. Un plan d'action est actuellement en cours d'élaboration. Il prévoit des outils financiers et d'accompagnement individuel des entreprises, des infrastructures adaptées, un soutien au développement international et à la promotion des jeunes pousses et bien sûr des solutions d'implantation sur Atalante Saint-Malo.